l'occasion de la sortie de son nouvel album, Pour te plaire, Roman Cerda a accordé ce vendredi une interview aux Parisiens. L'ex-femme de Renaud révèle notamment que le Phénix lui demande régulièrement de l'épouser à nouveau, 7 ans après leur divorce. Non-Stop People vous dit tout. Divorcés en 2011, cela fait déjà 7 ans que Renaud et Roman Cerda sont toujours restés extrêmement proches. Pour leur fils Malone évidemment, mais aussi parce que les liens qui lient les deux artistes, s'ils ne sont plus Nels comme ils ont pu l'être, restent extrêmement profonds. Parce que Renaud a choisi de lui-même d'intégrer une maison de repos en février, pour apprendre à se passer de ce breuvage qu'est la bière, Roman Cerda fut d'ailleurs très présente à ses côtés pour le soutenir dans son combat. Dernièrement, c'est d'ailleurs elle qui s'est montrée la plus rassurante sur son état de santé, « J'aimerais toujours Renaud ». Ce vendredi, Roman Cerda a accordé une longue interview aux Parisiens à l'occasion de la sortie de son 4e album, « Pour te plaire ». Évidemment, il a beaucoup été question de Renaud, à qui une chanson est d'ailleurs dédiée. L'occasion pour la chanteuse de faire le point sur sa relation avec le Phénix, on est toujours là l'un pour l'autre. Le lien n'a jamais été. Même le lendemain de notre divorce, on était au téléphone ensemble. On est très proches, mais vous n'aurez pas le scoop, on ne va pas se remarier, rire, même s'il me le demande souvent. J'aimerais toujours Renaud, mais d'un amour différent, fraternel, amical. On est mariés à vie, liés à vie, sauf qu'on ne vit pas ensemble et qu'on ne dort pas ensemble. Par Benjamin L.